Mais vous êtes rapide, hein? Plutôt si vous êtes vraiment rapide. Vous êtes vraiment rapide. On partage, on partage. Voilà, on partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Et on va tirer les enseignements. Et on va tirer les enseignements. On tapote, on partage, on se connecte, on partage, on se connecte, on partage. Au fur et à mesure, là, au fur et à mesure, on partage, on partage, on partage, on partage. Au fur et à mesure, on partage, on partage. Là, on va essayer d'être le plus, on va essayer d'être le moins. Laisse Eto'o et son tranquille, le cul de ta mère. Tu as compris avec quoi? Et le cul de ta mère, toi qui dis que laisse ton Eto'o tranquille, le gros cul de ta mère. Tu as compris, hein? Imbécile. Go, laisse Eto'o et son tranquille. Je suis malade. Quand on vous parle, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez dans une situation où on va battre la Gambie. Les gens se mettent à crier que oh, on a battu la Gambie. Je vous avais dit quoi la dernière fois? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi la dernière fois? On bat la Gambie. Je vois les Camerounais qui se crient oh, on a battu la Gambie, on a battu la Gambie. Vous gagnez la Gambie, vous gagnez la Gambie, vous êtes content? Et vous avez gagné la Gambie comment? On peut penser peut-être que non, vous avez peut-être que vous avez peut-être vous battez la Gambie, vous êtes content. Vous êtes content de quoi? Maintenant, on doit prendre des enseignements. On doit prendre des enseignements de cette CAN. C'est quoi les enseignements de cette CAN? Soyons vrais. Soyons vrais. Pourquoi vous tournez autour du pot? Soyons vrais envers ce qui nous arrive. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, vous êtes en train d'expliquer aux Camerounais que vous croyez au Himmler. Aucune cohésion de groupe, aucune ambiance. Ça se voit qu'ils sont là parce qu'ils sont forcés d'être là. Et là, vous allez nous parler de. Vous nous parlez de quelque chose. Vous avez vu le match? Est-ce qu'on voit le même match? Est-ce que nous voyons le même match? That is the question. Est-ce que vous voyez le même match que nous? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez le même match? Peut-être vous voyez, vous, peut-être que les fans d'Eto voient un autre match. Nous, on voit un autre match. Je vous ai dit la dernière fois. Ne tournons pas autour du pot. Soyons objectifs, soyons réalistes. Le cancer de l'équipe nationale, c'est Samuel Eto'o. Le cancer de l'équipe nationale, c'est Samuel Eto'o. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Parce qu'il a gagné un petit match contre la Gambie. Parce qu'il a gagné un petit match contre la Gambie. Laissez Song de côté. Laissez Song de côté. Le Cameroun va mal, on s'attaque à qui? Quand le Cameroun va mal, c'est Paul Biya qu'on regarde. Je suis désolé. Si le Cameroun va mal, je ne peux pas regarder John Goodey. John Goodey est Premier ministre. Quand le Cameroun va mal, on vise Paul Biya. Quand l'équipe nationale va mal, on vise Samuel Eto'o.
En ce qui concerne l'équipe nationale, Samuel Eto'o n'a rien produit de tout ce qu'il nous a promis. Je vois les Camerounais être contents parce qu'on a battu la Gambie. Je vois les Camerounais être contents parce qu'on a battu la Gambie à une certaine époque. C'est les A prime. C'est les A prime qu'on a envoyé jouer contre la Gambie. Ce n'était pas notre équipe nationale. Vous partez jouer avec des plongeurs, des laveurs d'assiettes, avec des agents de sécurité qui sont ici en France. Parce que 80% des joueurs de la Gambie, ce sont des agents de sécurité, des plongeurs, des hommes de ménage. Vous allez faire trois avec que vous comptez partout au Cameroun. Je vous avais dit quoi? Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Un vrai Camerounais, un vrai lion, ne peut pas être content quand on gagne la Gambie. Un vrai lion ne peut pas. Un vrai lion ne peut pas être content qu'on puisse gagner la Gambie. Vous voulez aller avec cette équipe. Vous voulez aller avec cette équipe. Je vous avais dit que le comportement de Samuel Eto'o envers l'équipe nationale du Cameroun est un cancer pour cette équipe. Eto'o doit être éloigné de l'équipe nationale du Cameroun. Et qui reste dans la gestion de l'Africa Foot. Il a fait beaucoup de bien à la gestion de l'Africa Foot. Il a fait beaucoup de bien à la gestion de l'Africa Foot. Mais en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, je reste là-dessus. Eto'o est un cancer pour cette équipe-là. Parce que Eto'o nous a montré de par son comportement. Eto'o nous a montré de par sa façon de faire qu'il ne mérite pas l'équipe nationale du Cameroun. Eto'o est un bon soldat. J'ai dit était. Eto'o était un bon soldat pour l'équipe nationale du Cameroun. Mais Eto'o a été le plus mauvais leader de toutes les générations confondues de l'équipe nationale. Le plus mauvais capitaine de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Le plus mauvais capitaine de l'équipe, c'est-à-dire que le plus mauvais capitaine de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Vous avez vu les dires de... Vous avez suivi les dires de Alexandre Song. Les dires d'Alexandre sont. C'est dans les toilettes qu'Eto'o a porté le brassard contre le Gabon à Yaoundé. C'est-à-dire que la première fois qu'Eto'o porte le brassard au Cameroun, c'est dans les toilettes qu'il allait mettre ça. Quelque chose qu'on doit te remettre solennellement devant tous les joueurs du vestiaire. Devant tous les joueurs du vestiaire, on doit te remettre le brassard solennellement. On a remis à Eto'o ça dans les toilettes. Donnez-moi le nom d'un capitaine de l'équipe nationale qu'on a remis le brassard dans les toilettes. Avec Paul Le Guen. C'est pas moi. Parlons peu. Parlons bien. Voilà. Je supporte Eto'o quand il s'agit de gérer les affaires de la CAF. Je vais supporter Samuel Eto'o. Là-bas, il n'y a aucune discussion. Je n'ai jamais mis en doute sa gestion de la Fédération Camerounaise de football. Mais en ce qui concerne l'équipe nationale de football, Eto'o est un cancer. Eto'o est un véritable cancer en ce qui concerne l'équipe nationale de football du Cameroun. Eto'o a été le plus mauvais capitaine de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun. C'est le seul capitaine qu'on a remis le brassard au vestiaire, dans les toilettes. Le seul, Alexandre Song le dit. C'est dans les toilettes qu'il allait porter le brassard. Pour sa première fois au Cameroun. Vous pensez que quoi? Je sais pas, je pose une question. Je sais pas, peut-être on va dire qu'Amer Kamer exagère, Amer Kamer si c'est Amer Kamer cela. Le problème avec vous, à tous ces fans d'Eto'o, Amer Kamer n'a pas faim. Je dis ça tous les jours, Amer Kamer n'a pas faim. Quand il faut parler bien d'Eto'o, je parlerai bien d'Eto'o. Je parlerai bien d'Eto'o quand il faut bien parler d'Eto'o. Je vais bien parler de lui. Je vais bien parler de lui quand il faut parler de Samuel Eto'o. Mais à un moment donné, quand il faut dire des vérités, je vais me mettre en bas et je dis à Samuel Eto'o ses vérités. Le président du foot, le président de la Fédération Camerounaise de football, c'est Samuel Eto'o. Le président du football camerounais, c'est Samuel Eto'o. C'est pas son banac. C'est Samuel Eto'o. Je ne gère pas les Tinda. Je gère le boss. Quand on parle mal du Cameroun et qu'on dit que le Cameroun va mal, on parle de Paul Biya. On parle pas de quelqu'un d'autre. Quand l'équipe nationale du Cameroun va mal, on parle de Samuel Eto'o. C'est de lui qu'on parle.
On va s'adresser à lui. Vous pensez que moi, amer qu'amer, je vais faire semblant de parler bien de Samuel et tout parce que j'attends un pot de vin? Mais vous êtes fou? Je ne ressemble pas à ces autres blogueurs comme les humains tout qu'on paye pour aller lyncher les gens. Je suis amer qu'amer. Je peux parler, dire de bien de toi aujourd'hui. Demain, tu fais mal, je parle, je dis que tu as fait mal. Parce que je ne suis à la solde de personne. Quand il faut rehausser l'image d'Eto, je rehausse l'image d'Eto. Quand Eto fait mal, je dis à Eto que là, tu as merdé. En ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, que les ancêtres nous protègent, enlevez Eto de là. Eto doit être chassé des vestiaires du Cameroun. Il reste à la gestion à distance. On veut des gars compétents. On veut une équipe soudée. Quand vous voyez cette équipe nationale, vous dites ça, elle ressemble à une équipe nationale qui est soudée. Parlons peu, parlons bien. Quand vous regardez cette équipe nationale, elle ressemble à une équipe soudée. Non, je suis désolé pour vous. Cette équipe nationale n'a pas d'âme. Elle n'a pas de vie. On dirait un morceau de glaçon qu'on a posé au sol. On parle de quoi? Je sais ce qu'on appelle une équipe qui a une âme. Je sais ce qu'on appelle une équipe guerrière. Le Cameroun a tout, sauf une âme. Vous savez ce qu'on appelle le Himmler? Vous savez ce qu'on appelle le Himmler? Vous entendez parler, parler. Le Himmler, c'est un mot bazar. Foi en toi. Foi en toi. Si vous êtes dans une équipe nationale, on vous ignore tous. Où est-ce que tu auras la foi? Vous êtes dans une équipe nationale où le président d'Africa, vous ne faites confiance en personne. Vous allez aller où? Où est-ce que vous allez aller avec ça? Parlons peu, parlons bien. Le Himmler, c'est la foi en toi. Dit que foi en toi. Quand on dit que Himmler, Mangana, Himmler, ça dit que tu as une croyance en toi, hors pair. Pour que tu dois avoir une croyance, une foi en toi, tu dois avoir la confiance de tes gars, la confiance de tes soldats. Une équipe, c'est comme une armée. On est entre nous. Je suis le gardien de mon coéquipier. Mon coéquipier est mon gardien. On se surveille. On voit une équipe. Quand vous voyez ces enfants-là, ils sont perdus. Ils ne se connaissent même pas. C'est ceux qui se trompent. C'est ceux qui s'appellent à l'intérieur numéro 4, numéro 5. Ils ne se connaissent même pas. Quand tu vois l'équipe nationale du Cameroun, tu vois une équipe qui n'a pas d'âme. Parce que Eto'o a brûlé l'étoile des enfants. Parce que Eto'o a récupéré toutes les étoiles de ces enfants-là. Il a gardé. Parce que c'est tout pour lui. C'est tout pour Eto'o. L'égoïsme à l'état pur. L'égoïsme à l'état pur. Tout pour Eto'o, rien pour les autres. Tout pour Eto'o, rien pour les autres. Même à l'équipe nationale, tout pour Eto'o, rien pour les autres. Et c'est ça qu'on ne doit pas dire. C'est ça qu'on ne doit pas dire. Il a beau payer tous les journalistes du Cameroun en ce qui concerne le sport. Vous n'allez jamais voir ces journalistes critiquer Samuel Eto'o. Ça n'existe pas. Un journaliste qui critique Samuel Eto'o de nos jours, ça n'existe pas. Parce qu'on les corrompt. Parce qu'on les paye. Vous connaissez combien de blogueurs qui payent qui? Vous connaissez combien de blogueurs? Je vous pose une question. Vous connaissez combien de blogueurs qui ont critiqué Samuel Eto'o? À part Amer Kamer. Je parle le top 5. Vous connaissez combien? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez entendu Makoso critiquer. Makoso ne peut pas critiquer Eto'o. Parce que Eto'o le paye. Quand j'ai dit ici que non, Eto'o, c'est le futur candidat du Cameroun. Non, là, Amer Kamer, oui, non, Amer Kamer, oui, c'est vrai, Eto'o, c'est bon, c'est bon. Mais quand je vous dis qu'Eto'o, c'est le cancer de l'équipe nationale du Cameroun, oh non, 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 oh Amer Kamer, tu es bipolaire. Je juge un homme en fonction des résultats qu'il pose sur la table. En ce qui concerne le championnat et la gestion du football camerounais, Eto'o a fait ses preuves. De ce côté-là, on ne peut pas dire non. Mais en ce qui concerne la gestion de l'équipe nationale, Eto'o est un parasite. Il faut le dire. Il faut le dire. Eto'o se fait de l'argent avec Africa Foot. Eto'o n'est pas venu parce que c'est un enfant de cœur. C'est donnant, donnant. Eto'o sait que s'il gère bien le football, tout l'argent qu'il prend, il met dans la poche. Je vous pose une question. Parlons carte sur table. Allons, approfondissons un peu notre façon de réfléchir. One Sport a donné combien à l'équipe nationale? Qui connaît parmi vous tous? One Sport a donné combien à l'équipe nationale? Les primes de l'équipe nationale s'élèvent à combien? Personne au courant, personne ne sait.
Comment est-ce qu'on sélectionne un joueur à l'équipe nationale? Personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on prend des commissions de 30% sur tous les joueurs qui sont sélectionnés à l'équipe nationale. Je ne sais pas si vous savez qu'à l'équipe nationale, il y a des agents qui ont pour rôle de proposer les joueurs. Et chaque fois qu'on propose un joueur à l'équipe nationale, il faut payer 30%. C'est-à-dire que l'argent compte, si on devait te donner 30 millions, on va te donner, on va enlever moins 30% de cet argent-là. Quand vous voyez une équipe nationale ou en attaque, il n'y a pas Vincent Boubacar, il n'y a pas Choupeau. Il n'y a pas Choupeau ni Vincent Boubacar. Oui, on va les mettre de côté. Fondez une bonne équipe. Faites une bonne équipe avec des enfants. Une équipe nationale qui n'a pas d'âme. Une équipe nationale qui n'a pas d'âme. Parce que Eto'o aspire le pouvoir de tous ces enfants-là. Parce que Eto'o aspire le pouvoir de tous ces enfants-là. Parce que Eto'o prend le contrôle de tous ces enfants-là, spirituellement et mystiquement. Vous voulez jouer avec quoi? Vous voulez jouer avec quoi? Quand spirituellement, tu as quelqu'un qui vous envahit dans une sphère, vous allez faire avec, vous allez vivre comment? Vous allez vivre comment? Quand les enfants n'ont pas leur mot à dire, une équipe qui n'est pas spirituellement prête, vous allez faire quoi? Le HM ne sort pas de l'esprit, du spiritualisme. Vous pensez que quand je vous parle, je suis simple? Vous pensez que ma façon de vous parler, de vous capter, on vous a dit que je suis simple? Je suis tout sauf loin d'être simple. Une équipe, c'est une synergie d'esprit. Synergie, le mot synergie. Une équipe, c'est une fusion. On fusionne nos forces. Mais l'équipe nationale du Cameroun, les enfants fusionnent leurs forces spirituelles pour qu'elles viennent prendre ça. On voit les enfants qui sont fatigués sur le terrain. Tu te demandes que c'est cette question. Tu vois les enfants, comment ils jouent en France. Tu les vois l'équipe nationale, tu n'as rien à voir. Parce qu'on on abuse d'eux spirituellement. Après, on va nous demander que non, les enfants là sont comment? La foi marche avec l'esprit. La foi marche avec l'esprit. Si spirituellement, quelqu'un a pris, tu as déjà mangé, tu as agi comment? Un président qui arrive dans un vestiaire pour dire que personne n'a sa place ici. Et toi, tu te prends pour qui? Personne n'a sa place ici. Toi, tu as ta place à l'équipe nationale. On te renverse maintenant cette phrase-là. Tu as ta place à l'équipe nationale. Tu oses entrer dans un vestiaire pour dire que personne n'a sa place ici. Toi-même, tu avais ta place là. Quand il y avait le fou, tu pouvais ouvrir ta gueule? Non. Quand il y avait son bana, tu pouvais ouvrir ta gueule? Non. Tu as gagné parce que tu étais un soldat. Tous les trophées que Eto'o a avec l'équipe nationale, c'est parce que tu es un soldat et non un leader. Depuis que tu as pris le leadership de l'équipe nationale, c'est l'enfer total. C'est l'enfer total. Si ton entourage ne peut pas te le dire, moi, mère caméra, je te le dis. Et je te vois en face, je te le dis en face. Tout le monde sait que moi, je ne courbe devant personne. Tout le monde. Sois même Dieu. J'arrive devant toi, je te regarde dans les yeux. Et tu es le cancer de l'équipe nationale du Cameroun. Depuis que tu as pris le Barça, depuis que tu es le leader de l'équipe nationale, tu es un cancer. Laisse la gestion là à quelqu'un d'autre. Laisse la gestion là à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être partout. Partout, il y a l'argent, tu es là. Partout, il y a l'argent, tu es là. Laisse l'équipe là à quelqu'un d'autre. Tu es entouré que des minables. Que des minables. C'est toi qu'on doit voir. C'est toi qu'on doit voir. Tu sais que son est incompétent, mais tu le mets quand même là. Tu sais que son est incompétent, mais tu le mets quand même là. Tu prends un blanc, tu mets derrière son bana pour camoufler l'histoire. Pourquoi on ne tire pas sur le blanc? Son est team manager. Le blanc là, c'est le sélectionneur de l'équipe nationale. Pourquoi tu caches le blanc là? Parlons peu, parlons bien. Pourquoi toi et toi, tu caches le blanc là? On va voir les bassa, bête, bête. Les idiots basa sortir. Des conneries comme ça là. Tu penses que. Va. Dis aux autres. Dis aux autres que c'est son. Son est team manager, le coach de l'équipe nationale du Cameroun, c'est un blanc. Qui n'a aucun niveau. Qui n'a aucun niveau. On est là, on pense que c'est son bana qui dirige l'équipe. On est là, on pense que c'est son bana qui dirige.
Pourquoi vous ne dites pas que c'est Leblanc qui a assis à l'équipe nationale, qui est le coach de l'équipe nationale? Son manager est manager. Le premier coach, c'est Leblanc là. Il faut dire aux gens que c'est Leblanc qui est l'équipe nationale. C'est-à-dire que quand si c'est pour encaisser, si c'est orienter les flèches vers son, tout le monde est content. Mais son n'est pas le coach de l'équipe nationale du Cameroun. Le coach de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Leblanc qui est à côté de son. Son manager est manager, c'est le manager. Mais le coach de l'équipe nationale, c'est Leblanc là. Mais quand on envoie tous les balles sur son banan, il tout ferme sa gueule. Son banan ne connaît même pas les joueurs qu'on a sélectionnés. C'est Leblanc qui est à côté là. Avec la complicité de celui qui sélectionne les joueurs. Vous parlez de quoi? Vous faites comme si on ne connaît pas, on ne sont pas au courant. Ngo et toi, et Amé, Kamé, et toi, et Bassa, comme toi, mouf. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Après, on va nous raconter de la merde. On va nous raconter des conneries. Tu connais le football? Je juge le football sur ce que je vois. Je juge le football sur ce que je vois. L'équipe nationale a posé des prestations minables. Donnez-moi un match de référence de l'équipe nationale du Cameroun pendant cette CAN. Un seul match de référence. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que les gars sont comme des robots. Ils sont comme des robots. Oh ouais, les gens, le football a changé. Le football d'aujourd'hui, il a changé complètement. Le football d'aujourd'hui, c'est plus la chance. Le football d'aujourd'hui, c'est la précision. C'est les calculs. C'est une cohésion de groupe. C'est une confiance. C'est une perspective d'avenir. C'est ça le football d'aujourd'hui. Le football a changé. Le football a changé. Continuez votre escroquerie à l'équipe nationale. Que vous ne pouvez plus. Il y a une femme qui est venue se plaindre qu'elle a payé plus de 5 millions de francs CFA pour qu'on sélectionne son joueur, son fils. 5 millions de francs CFA. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal que pour qu'un jeune joueur vienne à l'équipe nationale du Cameroun, il faut payer? Mais ça, on n'en parle pas. Non, non. Chut. J'ai demandé à ma banque Isaac. Est-ce à la corruption à l'équipe nationale? Ils ont dit non. Et pourtant que tout le monde sait. Pourquoi Camille n'a pas été pris pendant la Coupe du Monde? Tout le monde sait pourquoi Camille n'a pas été pris pendant la Coupe du Monde. Quelque chose que tout le monde voit. Parler de la corruption à l'équipe nationale du Cameroun. Pourquoi est-ce que les agents qui sont chargés de ramener les joueurs à l'équipe nationale prennent 30%? Mais personne ne parle. Demandez à ces mères d'enfants qu'on sélectionne. Que ce soit l'équipe nationale féminine, alors c'est la mort. L'équipe nationale féminine, alors c'est la mort. Si tu n'as pas l'argent, on ne te prend pas. Si tu n'as pas l'argent, on ne te prend pas. Pourquoi on ne peut pas mener une commission d'enquête? Mais mettez une commission d'enquête là-dessus. Vous allez voir si tout ne va pas sauter le lendemain matin. C'est quel genre d'équipe nationale du Cameroun ça? Pourquoi on sélectionne ton fils? Tu dois payer 10 millions. Pourquoi on sélectionne ton fils pour un match amical? Il faut payer. On veut raconter la merde aux gens. On veut bâtir une équipe sur le mensonge. On veut bâtir une équipe sur des conneries. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Pour une fois. Je ne mange pas chez tout. Je n'ai pas besoin de son argent. Je me suffis énormément. J'ai trop d'orgueil. Trop d'orgueil. Quand on parle du Cameroun, il faut dire la vérité. Vous trouvez normal qu'on sélectionne un gars à l'équipe nationale du Cameroun, la paire, sa mère paye 7 500 000 francs CFA. Vous trouvez ça normal qu'on sélectionne les gens à l'équipe nationale et on paye de l'argent pour ça et tout le monde trouve ça normal dans l'équipe nationale? Vous trouvez ça normal? C'est incroyable. C'est incroyable. Et personne ne doit parler. Personne ne doit parler de ça. On doit fermer nos gueules. Parce qu'il y a Eto'o qui est là. Aucun journaliste ne parle de corruption à l'équipe nationale du Cameroun. Aucun journaliste. Pour sélectionner un joueur, il faut payer. Des familles se font ruiner à cause de ça. Mais parlons de ça. Rappelez-vous du... écrivez-moi un peu... le joueur de l'équipe nationale du Cameroun qui joue pour la Suisse, là. Attendez. Je vais... Il s'appelle comment? Ebolo. Prenons le cas d'Ebolo. Je ne vais pas aller loin. On va prendre le cas d'Ebolo. Vous trouvez normal que Ebolo, quand on le sélectionne, quand
on le sélectionne pour la première. Quand on demande, quand ses parents disent à l'équipe nationale qu'il veut venir jouer pour l'équipe nationale, et qu'on demande l'argent aux parents de Bolo, ça vous pose un problème? Dites-moi, ça ne vous pose pas un problème? Que chaque fois qu'un joueur vient à l'équipe nationale, on lui demande de l'argent? Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce pays où les tarifs sont déjà... pour être à l'EMIA au Cameroun, c'est 10 millions. C'est 10 millions pour être à l'ENAM. À l'EMIA, c'est 10 millions. Tu mets 10 millions dans un compte, tu donnes le nom. Les prix sont officiels au Cameroun. Les prix sont officiels au Cameroun dans tous les corps de métier. Pour que ton enfant soit à l'ENAM ou à l'EMIA, c'est 10 millions de francs CFA que tu payes. Si un taxi n'a pas les papiers, n'achètera ni rien. Tu prépares tes 2000 francs. Si tu marches sans pièce d'identité, c'est 1000 francs. Si tu as tous les papiers, c'est 500. C'est officiel, ce sont les prix officiels au Cameroun. J'ai fait 3 ans au Cameroun, je sais de quoi je parle. Arrêtons de dire tout et n'importe quoi. On va sélectionner quelqu'un à l'équipe nationale du Cameroun, c'est la personne qui paye. Là où les Européens vont dans les familles pour dire « Ouais, pardon, viens avec ton fils. » On parle de quoi? Et 10 millions, tu n'es pas garanti. Non, à l'ENAM et à l'EMIA, 10 millions, tu n'es pas garanti parce qu'il y a la demande. Il y a des demandes comme ça. Vous pensez que quoi? Et on s'étonne que le pays va mal. Il faut être policier. Pour réussir à la fonction publique, le faire le concours de policier, il faut payer 2 500 000 pour qu'on te prenne en tant que policier. Et quand on va te prendre en tant que policier, qu'est-ce qui va se passer après? Il faut que tu rembourses les 2 500 000. Il faut que tu les rembourses. Et tu vas les rembourser comment? En raquettant les gens dans la rue. Et c'est la même corruption qu'à l'équipe nationale du Cameroun. Et quand on va parler, on va dire, oh, tu es jaloux de tout. L'arrivée, il dit, Bewasona. N'importe quoi. Ngoamé Kamé, tu es jaloux de tout. Bande de sorciers. Vous pouvez me parler? Allez raconter ça aux journalistes minables de. Tous les journalistes qui sont à la CAF. En commençant par Mime. Toute sa bande de Mime là. Des corrompus. Tous. Personne ne veut dire la vérité à Samuel Eto'o. Parce qu'on a corrompu tous les journalistes camerounais. Aucun journaliste camerounais à la CAF ne peut dire la vérité. Aucun influenceur à la CAF ne peut dire la vérité. Quand tu as parlé, on va te dire que oh, tu t'attaques à Eto'o, oh, tu es jaloux d'Eto'o. Mouffe. Et toi, l'argent plus de qui? Et toi, l'argent plus de Mugubelinga? On me l'a dit que je cours derrière. Je cours derrière Eto'o. J'ai des amis qui ont l'argent 1000 fois plus que Eto'o. On me l'a dit que je cours derrière les gens là. Une bande de minables dans tous les parasites à l'équipe nationale du Cameroun. On vient parler. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais ici en France. Beaucoup de jeunes Camerounais ici en Europe que l'équipe nationale a fait fuir parce qu'on leur demande de l'argent. Oui, j'ai mon fils qui est titulaire en national. Est-ce qu'il peut venir à l'équipe nationale? Maman, tu as combien? Il y a une mère de Mbalmayou qui a payé 7 500 000 pour que son fils aille à l'équipe nationale. On a vu son fils à l'équipe nationale. Oh, la mère, ton fils à l'équipe nationale. Elle a seulement dit que, ouais, Amen, pardon. Tu ne sais pas combien j'ai payé pour que mon fils vienne à l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'à l'équipe nationale du Cameroun, on réussit à prendre quelqu'un 7 500 000 pour que son fils vienne à l'équipe nationale. On trouve ça normal. Et Eto'o est là. Il sait que ça existe. Vous voulez des vrais joueurs? Mais mettez d'abord les gars prêts. Mettez les joueurs qu'il faut. Laissez la commande du vestiaire camerounais au Camerounais. C'est quoi cette merde? C'est-à-dire qu'une merde pas possible. C'est quoi cette merde que c'est un président de la FECAFOOT qui est directeur, qui commande le vestiaire du Cameroun? Vous avez entendu ça où? Que dans une équipe comme l'équipe du Cameroun, c'est le président de la FECAFOOT qui est le capitaine du vestiaire. Vous avez entendu? Oh! Eh! Ma Vivian Fou, c'est à cause de toi que les Eto'o parlent aujourd'hui. Fou, c'est à cause de toi que les Eto'o parlent aujourd'hui. On va te regretter. Ça, on est en train de te regretter.
Parce qu'au temps de Marc Vivien Foué, et toi, ne pouvait même pas livrer sa gueule. Il était, mais, oh, c'est à cause de ça qu'on est dans ça. Sombana a baissé les bras. Sombana a baissé les bras. Parce que plus pacificateur dans cette équipe nationale comme Sombana, ça n'existe pas. On a pris les problèmes. Et toi, les problèmes avec, et toi, les problèmes avec Onana, on dit que c'est Sombana. On dit que c'est Sombana. Et pourtant, que la vérité, c'est que c'est Eto qui a des problèmes avec Onana. On a mis tout ça sur Sombana. Quand on m'a dit, quand les joueurs de l'équipe nationale m'ont dit que ah, merde, je suis en contact avec tous les joueurs de l'équipe nationale, tous, je suis en contact avec eux. Je connais tous leurs waka. Tous. Quand les gars m'ont dit, ah, merde, laisse ça. On n'en a aucun problème avec Eto. Avec Sombana. On en a un problème avec Eto. C'est pas avec Sombana. J'ai dit quoi? Les joueurs de l'équipe nationale m'ont confirmé qu'à main, on te josse ça là en vrai. On n'en a aucun problème avec Sombana. Ça avait Eto. J'ai dit, merde, j'ai posé les deux mains sur la tête. J'ai dit, donc pendant la Coupe du Monde, pendant qu'on sait qu'il y avait les problèmes entre Eto et Son, entre Onana et Son, donc c'était avec Eto. Il me dit, c'est avec Eto. Ça sort du vestiaire. Ça sort du vestiaire. S'il y a eu d'exploser Africa, j'ai le numéro du père de Choupo-Moting. Il m'a dit, ah, mais appelle-moi quand tu veux, je vais te dire ce que tu ne peux pas connaître. Il m'a dit, ah, mais appelle-moi quand tu veux. Il y a des choses de l'équipe nationale que je sors ça ici-là. Mais vous savez, le pays va exploser. Mais c'est incroyable. On veut monter une équipe nationale prête. La corruption. Il faut payer. Après, on vient nous dire que, oh, les gens ont tout le. Maman, un joueur qui paye pour entrer à l'équipe nationale, est-ce qu'il va dire qu'il n'a pas eu de prime? Un joueur qui paye pour l'équipe nationale, est-ce qu'il va dire qu'il n'a pas eu de prime? Il ne pourra jamais dire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pénalise Choupo-Moting? L'égoïsme d'Eto a dépassé tout au Cameroun. L'égoïsme d'Eto. La malchance de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Samuel Eto. La malchance. Mais aucun journaliste ne peut parler. Aucun. Parce que si un journaliste parle, on ne va plus l'appeler. Si un journaliste parle, on va le fermer les rues. Si un journaliste parle, on va fermer sa bouche. On va fermer les poches. Ils doivent manger. Je les comprends, ils doivent manger. Mais moi, je suis indépendant. Je suis indépendant. Et cette vérité-là, là sur Facebook, on est connecté, on est 1300 sur Facebook. On est 1100 sur TikTok. Ils sont là parce que je dis la vérité. Ils sont là parce que ce que je dis est vrai. Je n'invente pas. Quand vous voyez, dites-moi un match de référence à cette CAN. Quand le Cameroun se débat contre la Gambie, le Cameroun se débat. Et on voit Eto, quoi, Eto content. Tu passes avec 7 forts, tu dis que tu as réussi le bac. Tu passes avec 7 forts. 8 forts, tu dis que tu as réussi le bac. Une équipe sans âme. Une équipe sans orientation, sans perspective d'avenir. On est là, on regarde. Une équipe où le président de la CAF a récupéré les esprits de tous les enfants. Vous les comprenez comment? Et toi, est bien pour lui-même. Il est membre de sa famille. Mais en ce qui concerne la collectivité, et toi, est incapable de donner son savoir-faire aux autres. Si les autres doivent briller, Eto préfère que personne ne brille. Eto préfère que personne ne brille. Je vous dis la vérité. Si vous voyez Eto aider quelqu'un, c'est que derrière on va dire, oh papa Eto, hey, Zalana, papa Eto. Eto va aider seulement quelqu'un pour qu'on fasse le jicalo de son nom, pour que son nom monte. Mais si tu ne peux pas faire le jicalo d'Eto, il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas. Regardez juste l'interview de Alexandre Son. Regardez juste les altercations. Eto s'entend avec l'équipe nationale du Cameroun. Avec ses anciens, il s'entend avec une personne. On a imposé son ban à Samuel Eto. On l'a imposé. Mais on vient parler. Et quand je dis, et je répète, que si Eto aime le Cameroun, il doit libérer l'équipe nationale du Cameroun. Il doit donner la gestion de l'équipe nationale du Cameroun. Il a dit qu'on doit sortir une loi qui interdit toute l'équipe nationale du Cameroun. De près ou de loin. Et toi, il est venu avec son enfant non, pour faire le forcing. Quand on voit le niveau de jeu de l'enfant d'Eto, il mérite l'équipe nationale.
Est-ce que le fils d'Eto méritait l'équipe nationale d'espoir? Parlons peu, parlons bien. Parce que c'est Eto. Il met son fils dedans. Et pourtant, il y a des gars bons ici en France. Mille fois plus bons que l'enfant d'Eto. Il y a des gars en première division au Cameroun que quand ils tapent le ballon, le fils d'Eto ne peut même pas arriver à côté. Mais on a pris l'enfant d'Eto, on n'a pas mené pour les maths. On n'a pas mené pour les maths. Pour augmenter sa cote en Europe. On dit que oh, le fils d'Eto joue à l'équipe nationale d'espoir. On l'emmène là-bas. Pourquoi il n'est pas là à la CAN alors? Pourquoi il n'est pas là à la CAN? La corruption de l'équipe nationale du Cameroun là. On voit le fils de Tchatoupil. Mouillant comme n'est pas permis. Il mouille comme n'est pas permis. Mais comme c'est Tchato, on le met dedans. Je n'ose même pas compter tous les autres qui ont choqué à l'intérieur. Je n'ose même pas compter. Je n'ose même pas compter. On va venir nous parler de conneries. On va venir parler ici que oh, Samuel Eto, Samuel Eto, Samuel Eto. Oh, ma chapuie d'amour, comment ça va? Oh, je t'aime toujours, toi-même, tu sais. Non, c'est ma Guylaine d'amour, elle est connectée sur Facebook. Je t'embrasse très fort depuis Paris. Depuis ma. Tom, je connais où je suis au village, non? On va parler de quoi? La malédiction de l'équipe nationale. Depuis que Samuel Eto a pris le brassard à l'équipe nationale, c'est le fiasco total. La malchance. Et quand il va parler. Oh, amen, 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 amen. C'est-à-dire que depuis que Eto est à l'Africa Foot, dites-moi le nom d'un journaliste qui a mal parlé de lui. Dites-moi le nom d'un seul journaliste qui a mal parlé de lui. On n'a pas sélectionné le fils de Tal, vraiment le gars bête ici là. On n'a pas sélectionné le fils de Tal la dernière fois. On n'a pas sélectionné le fils de Tal la dernière fois. On parle de quoi? Disons-nous nos vérités. Depuis que Samuel Eto'o est devenu capitaine de l'équipe nationale, on l'a revu. Je rappelle aux ceux qui ont tous ces intérêts que le brassard a été remis à OSC. Alexandre Songa dit que c'est aux toilettes qu'il a porté le brassard du Cameroun. C'est aux toilettes. Aujourd'hui, je comprends pourquoi je combattais Samuel Eto'o pour qu'il ne soit pas président de l'Africa Foot. Je comprends. C'est aujourd'hui que je comprends ça. Il a fait du bien, hein? Oui. Mais c'est aujourd'hui que je comprends que Amer Kamer, tu avais raison de combattre Samuel Eto'o pour qu'il soit présent à l'Africa Foot. C'est aujourd'hui que maintenant beaucoup de gens disent que Amer Kamer, tu avais raison. Que Amer Kamer, tu avais raison. Maman, vous n'avez pas encore, il dit que vous n'avez pas encore signalé. Vous n'avez pas encore signalé. Vous pensez que quoi? Il dit, envoie le maximum de cœur. Le maximum de cœur. Le maximum de cœur. À tous les pros Eto'o qui sont sur mon live sur Facebook, là, le gros cul de vos mains, vous tous. Vous avez compris avec quoi? Sur TikTok là, je veux 100K de tapotage. Je ne suis pas votre parent. Je ne suis pas membre de votre famille. Donc quand vous entrez dans mon live sur TikTok, vous tapotez. À l'heure ça, je ne suis pas membre de votre famille. Je veux vous me mettre 100K de tapotage. Regarde-moi les sorciers comme ça là. Vous êtes là pour écouter seulement. On se ressemble. On se ressemble. Vous me bloquez tous les Ivoiriens qui vont commenter sur mon mur. Le gros cul de vos mains. Vous avez compris, non? Tous les Ivoiriens qui sont sur mon mur, là, le gros cul de vos mains. Vous avez compris? Vous me bloquez tous les Ivoiriens qui sont sur mon mur, là, imbécile. On est amis. On n'est pas frères. Hein? C'est toi qui a épousé votre soeur. La malchance que les Ivoiriens ont sur nous, là. Une barrière, un pays de foirés. On va dire qu'on se ressemble. On va dire qu'on se ressemble. Remettez les commentaires pour bloquer les gens, s'il vous plaît. Remettez-moi les commentaires pour bloquer tous les gens. Et je vais encore dire quelque chose. Les modos qui sont sur TikTok, les modos qui ne sont pas opérationnels, vous serez tout simplement déconnectés. Tout simplement. Les modos qui sont sur TikTok. Si à la fin, je constate qu'il y a certains modos qui ne sont pas actifs, je vous déconnecte tout simplement. Donc, tous les Ivoiriens qui sont là, si un Ivoirien écrit le plus petit commentaire là, vous me bloquez tous les Ivoiriens qui sont là. Et tous les Ivoiriens qui sont sur mon mur là, il dit le gros cul de vos mains. Vous avez compris avec quoi? Et le mot de tous les Ivoiriens en commençant par leur président. Il est en commençant par leur président. Dégagez de mon mur. Récupérez Eto'o, partez avec lui. Bande de sorciers. Je vous invite ici. Je vous invite ici. Je vous ai dit, je vous appelle d'attachement. Je ne suis pas avec vous. Hein. Je ne suis pas avec vous. Prenez votre maudit Marcos, vous partez avec lui. Hein. Parce que moi, il n'a pas tué ma femme. Hein. Il n'a pas vendu ma femme dans une secte. Hein? Récupérez votre salopard de Makoso, vous partez avec lui. Bande de Dieu. On continue.
Donc, si vous êtes fan d'Eto'o, c'est votre problème. Je suis fan du Cameroun. Je ne suis pas fan d'Eto'o. Je suis fan du Cameroun. Mon pays, c'est le 237. C'est le 237. Si Eto'o, que je veux que je parle bien de lui, il fait ses preuves sur le terrain. Il fait ses preuves sur le terrain. La même fois qu'il dit qu'il est exigeant là, même moi j'ai la même exigence. J'ai longtemps côtoyé l'excellence. J'ai longtemps côtoyé l'excellence. Pour me permettre de parler avec de la merde. J'ai longtemps côtoyé l'excellence. On voit une équipe du Cameroun qui est malmenée de gauche à droite. Malmenée de gauche à droite. On va me dire que moi, mais quand même, je fais match nul contre la Gambie, je dois être content. Un pays qui ressemble à Komondo. Un pays qui ressemble à Mokolo. Mokolo est même plus grand que toute la Gambie. Moi, je dois être content. Parce que le Cameroun a gagné des gens qui sont agents de sécurité ici-là. Des gens qui font le ménage ici à Paris. Ils organisent une équipe nationale pour leur pays. Le Cameroun pas bien gagné. Moi, mais quand même, je dois être content. On voit Samuel et tout sortir comme ça là. Et tout le monde est content. Quand vous avez averti ici. Vous rappelez la vidéo que j'avais faite par rapport à ça? Qu'un Camerounais qui est fier de la victoire contre la Gambie, c'est un PD. Un Camerounais qui est fier de la victoire contre la Gambie, c'est un PD. Moi, un Camerounais, être fier parce que j'ai gagné la Gambie. La Gambie, hein, c'est-à-dire qu'en temps normal, la Gambie, l'équipe nationale de la, c'est l'équipe nationale féminine qui joue avec l'équipe nationale masculine de la Gambie. À l'heure, c'est nos femmes qui doivent jouer avec eux. On voit les gens être contents, on a gagné la Gambie, on a gagné la Gambie. Bande d'avortons prématurés, va. Voilà le problème de l'équipe nationale du Cameroun, la corruption, le manque de compétences. Le manque de compétences. L'équipe nationale du Tchoko. On appelle ça équipe nationale. Non, c'est le gars qui était en Afrique là. C'est l'équipe nationale Samuel Eto'o. C'est l'équipe nationale Samuel Eto'o. Pourquoi Eto'o cache le blanc à l'équipe nationale? Pourquoi est-ce que Eto'o cache le blanc à l'équipe nationale? Quel est le rôle du blanc à l'équipe nationale? Parce que ce qu'on ne veut pas vous dire, ce qu'on ne veut pas vous dire dans cette équipe nationale du Cameroun, c'est que c'est Samuel Eto'o et le blanc là qui font le coup. Il s'appelle, il a un nom bizarre. Pardon, affichez-moi un peu son nom là. Affichez-moi un peu le nom du sorcier qu'a l'équipe nationale, le blanc sorcier qu'a l'équipe nationale du Cameroun là. Écrivez-moi un peu son nom là, s'il vous plaît. On parle de quoi? Pourquoi l'attaque juste son banc, on n'attaque pas le coach? Dites-moi. Migne, regardez-moi le nom de quelqu'un. Migne, Migne. Ngo Migne, Migne, Migne. On va prendre quelqu'un qui n'a aucun nom. On vient lui donner un nom. Et pourtant qu'on a les coachs. On a les Mboma qui peuvent faire le rôle du gars là. On a les Mabouan qui ont les diplômes. On a beaucoup de Camerounais qui ont les diplômes. On a les Oumambi, on a les Mboma, on a les Mabouan. On prend un salopard de blanc. On vient un blanc même qui était ramasseur de balles. Ramasseur de balles ici en France. Samuel Eto'o va le prendre. On le met là-bas à l'équipe nationale du Cameroun. On va pointer ton argent. On se lève. Chaque fois qu'on va attaquer quelqu'un, on va attaquer Samuel. On va attaquer son Bana. C'est son Bana qui coach. Mais les gars, je suis désolé pour vous. Le coach de l'équipe nationale du Cameroun, c'est un blanc. C'est un sorcier là, un blanc. Ça, personne ne l'attaque jamais. Bizarrement, personne ne l'attaque jamais. Personne ne l'attaque jamais. Eto'o passe inaperçu. Sombana reste là. C'est Sombana qui encaisse tous les balles de Samuel Eto'o. Je suis désolé pour vous. Le président du football camerounais, c'est Samuel Eto'o. Et on va s'attaquer à Samuel. On va s'en prendre à Samuel Eto'o. Et je lui dis ce que je pense. Demandez aux joueurs de l'équipe nationale de parler. Demandez aux joueurs de l'équipe nationale que tu as payé pour, tu as payé combien pour être là-bas. Demandez. Demandez à ceux qui n'ont pas joué là. Je ne connais même pas leur nom. Demandez à tous ceux qui n'ont pas joué là que vous avez payé combien. Demandez-leur. Demandez-leur que vous avez payé combien pour venir être au banc de touche. On compte encore sur des gens comme les Vincent Aboubakar. Allez, que si le Cameroun remet son destin dans les mains de Vincent Aboubakar, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Aboubakar va jouer quel football? Aboubakar n'a prospéré que parce qu'il n'y avait plus de joueurs. Aboubakar va jouer quel football, que quelqu'un va rester comme ça, il va aimer le football de Aboubakar. Un joueur qu'on a chassé en Europe. Mon frère, quand tu joues au cadre, il y a les championnats qui, quand tu joues, ne parlent pas fort. Genre le Portugal, la Turquie, Arabie Saoudite, ne parlent pas fort. Vincent Aboubakar, il a joué en Première Ligue. Vincent Aboubakar joue en Italie. Vincent Aboubakar joue en France. Non, pourquoi? Parce qu'il est nul. Quand le blanc ne peut pas te prendre, parce que techniquement, tu es réduit. Le Ndiambou de Vincent Aboubakar, c'est seulement pendant. Pourquoi il ne signe pas les gros contrats? Pourquoi il ne signe pas les gros contrats? On parle même de quoi? On a l'air d'avancer avec les moins techniques,
C'est-à-dire que techniquement parlant, Vincent Aboubakar est nul. Il est nul. Quand je vois comment vous le vantez, vous le vantez même pourquoi? Parlons bien. Vous le vantez pourquoi? Je préfère un bon avant-centre du Cameroun que Vincent Aboubakar. Je préfère un bon petit du Cameroun. On le sait bien. Il va faire le travail. Mais aujourd'hui, vu comme l'équipe nationale du Cameroun est là, on compte sur qui? Il faut dire, bloquer ma ville. Oui, toi qui as écrit que laisse à le gros cul de ta mère. On met les oignons dans les asticots, imbécile. Bloquez ma ville là, s'il vous plaît. Est-ce que mes modos... Oui, il y a mon mannequin qui est déjà là. Il y a mes modos qui sont là. Il y a... Ouais. Je ne te plains pas, Fatim. On parle de quoi? On va y aller au Vincent Aboubakar. Vous parlez même de quoi juste? Vous connaissez le football? Vous pensez que moi, je peux faire mon équipe? Moi qui ne connais pas le football. Moi, je peux faire mon équipe. Je prends Vincent Aboubakar et mets dedans que je suis fou. Il est lent, un. De deux, aucune technique. Quand ça compte sur son tibia, on dit Dieu merci. On dit Dieu merci. Et c'est lui qui venait au Abouchou quoi. Parce que c'est le joueur d'Eto. Quand vous avez que même dans le vestiaire du Cameroun, Vincent Aboubakar n'a pas sa parole. Dans une équipe nationale, quand le président de la FECAFOOT entre dans le vestiaire, le capitaine célèbre, il dit sort. Le capitaine du vestiaire célèbre, il dit sort. Il ne sort pas, il dit aux joueurs, mettez-le dehors. On te met dehors. Ça, c'est ce qu'on appelle le capitaine. Je vais vous raconter une histoire. Demandez à Adebayo, qu'est-ce qu'il a marqué au Cameroun? Allez sur Internet, tapez Adebayo parle de Sombana à la CAN qui est au Mali. Sombana arrive à l'hôtel. Sombana arrive à la cuisine de l'hôtel. On avait préparé la nourriture. Il regarde la nourriture là comme ça. Là. Il a soulevé ça, mon frère. Bam! Adebayo, c'est Adebayo qui raconte l'histoire. Adebayo raconte que Sombana a pris la table. Il a jeté ça comme ça. Il a jeté toute la bouffe là par terre. Il dit que personne ne mange. C'est ce qu'on appelle un capitaine. Quand vous voyez les morpions qu'il y a à l'équipe nationale du Cameroun là, quand vous voyez les petits morpions qu'il y a à l'équipe nationale, on vous a dit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui a cette force là. Moi, je suis capitaine à l'équipe nationale. Le président de la FECAFOOT n'entre seulement que s'il a les primes à nous donner. Il entre seulement s'il a des félicitations à nous donner. Le président de la CAF entre, il parle comme toi a parlé la dernière fois là. Massa, ça veut dire que c'est là où le capitaine se dit, ferme ta gueule. Tu n'es pas dans ton bureau. Ici, c'est moi le capitaine du vestiaire. Mettez-le dehors. Les joueurs se lèvent, on le prend, on le met dehors. Vous parlez de quoi? Vous savez ce qu'on appelle le vestiaire? Le vestiaire doit avoir une âme. Le vestiaire d'une équipe nationale a une âme. Ou quand tu arrives seulement. Ouais. Ou quand tu arrives. Tu sais que si tu as un territoire ennemi. C'est-à-dire que quand un membre de l'administration entre dans le vestiaire de l'équipe nationale, c'est que là-bas c'est le quartier. Si je parle mal ici, les gars peuvent m'emballer. On voit Eto sortir. Oh, personne n'a sa place ici. Tu es capitaine de l'équipe nationale, tu fermes ta bouche. Et donc, entre dans le vestiaire de l'équipe nationale, il dit personne n'a sa place ici. Moi, capitaine, je lui coupe d'abord une chandelle pour lui montrer qu'il n'est pas dans son bureau ici. Ici, c'est moi le chef. Si tu veux parler, tu me parles, moi, et c'est à moi de parler à mes gars. C'est le rôle du capitaine. Qu'un président entre dans le vestiaire de qui? Je prends d'abord Eto là, il dit le petit dehors. Attends-moi dans ton bureau. Ne m'appelle pas l'équipe nationale si tu veux. Mais ici, là, c'est moi le commandant en chef. Zidane dans les vestiaires. Le président de la Fédération française, il ne faut pas entrer dans le vestiaire. Si Zidane est là, vous êtes malade. Zidane dans le vestiaire, il va faire comment pour entrer? Il va faire comment pour entrer? Avant que le président de la Fédération française de football ne descende dans le vestiaire, on annonce à Zidane qu'il a demandé qu'il veut venir. Est-ce que tu le sois ou pas? Parce que le capitaine des vestiaires de l'équipe nationale de France, c'est Zinedine Zidane. C'est lui le capitaine. On a donné le brassard à Deschamps, mais tout le monde savait que le brassard de l'équipe nationale de France, c'était Zidane. Tu vas venir entrer dans l'équipe nationale, dans le vestiaire de l'équipe nationale de France, sans demander autorisation à Zidane. Tu vas entrer par où?
Il va seulement dire Viera, Makelele, mettez-le dehors. On te met dehors. C'est ce qu'on appelle l'âme d'un vestiaire. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'énergie. Voilà ce qu'on appelle mettre son savoir-faire au service du collectif. Tu descends là-bas, tu viens menacer les enfants. Parce que tu as un palmarès, je respecte ton palmarès. Je respecte ton palmarès. Tu descends là-bas pour venir impressionner les enfants. Oh, j'ai fait tout ce que tu gonfles comme ça là. Mais il fallait aussi dire aux enfants là comment tu as fait pour prendre le brassard à l'équipe nationale. Il fallait aussi dire aux enfants là, le manque de respect que tu as fait à l'équipe nationale. Il fallait aussi dire aux enfants là, les combinaisons, les coups bas que tu faisais à l'équipe nationale du Cameroun. Il faut aussi leur dire ça. Tu trouves les enfants hein, qui n'ont pas, qui ont encore leur carrière, tu gonfles, tu torses et tout. Oh, personne n'a sa part dans l'équipe nationale. Tu peux faire ça si un vrai capitaine. Tu peux faire ça si un vrai capitaine dans cette équipe-là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dans tous les groupes WhatsApp des joueurs, tu es infiltré. C'est-à-dire que tu es dans une équipe nationale où Eto'o a mis ses agents secrets dans l'équipe, dans la tanière. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs dans l'équipe nationale du Cameroun que eux, c'est le Congo ça. Eux, c'est le Congo ça pour aller rapporter à Samuel Eto'o. Comme tu vois là, hein, quand tu vois là, hein, Zambouangui, ça a dit ceci. Comme tu vois là, hein, Onan et Zambouangui, c'était. C'est-à-dire que Eto'o a des agents secrets à l'intérieur de la tanière qui nous rapportent le Congo ça de tout ce qui se passe là-dedans. De tout ce qui se passe là-dedans. Les Chocomanes, eux, c'est leur travail. Après, on va demander aux joueurs de gagner. Tu peux gagner un match si tu ne fais même pas confiance à quelqu'un. On va prendre l'autre là, Andrew Onana. Des salopards, c'est là où j'ai vu la bêtise à l'état pur. On prend Andrew Onana. Andrew Onana. Non, c'est Ondoa. Si c'est Ondoa. On prend Ondoa. On titularise Andrew Onana. Là. Vous ne connaissez pas le football. C'est bizarre aujourd'hui. Les buts qu'on en a encaissés là, c'est bizarre. On ne parle pas que c'est lui. Et les buts qu'on en a, c'est on a, comme les gars bêtis là même. Depuis quand les bêtis même sont gardiens. On a vu on doit. L'encaissement de ça. Personne ne parle. Parce que le Camerounais est tellement jaloux du football d'Onana. Le Camerounais est tellement jaloux du football d'Onana. Vous pouvez comparer le football qu'on en a joué avec celui qu'on doit jouer. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que pour avoir Onana, il faut multiplier Ondoa fois 1000 pour avoir Onana. C'est-à-dire que tu prends Ondoa, tu multiplies par 1000. Parce que quand tu veux gagner un match, tu n'alignes pas Ondoa. Quand tu veux gagner un match, tu enlèves le libéro. Tu joues avec un stopper, le gardien fait libéro stopper. Le gardien fait libéro stopper, tu surcharges une troisième avant-centre. Parce que balle au pied, on n'en a pas besoin d'un libéro. On n'en a pas besoin d'un libéro balle au pied. C'est le football d'aujourd'hui. Le meilleur gardien au monde. Celui qui a révolutionné le poste du gardien du Burundi, c'est Onana. Valeur estimée, 70 millions d'euros. C'est-à-dire que le blanc estime un gardien 70 millions d'euros. Tu prends le gardien, tu mets au banc de touche. Parce que Eto'o n'aime pas Onana. Parce que comme Eto'o n'aime pas Onana, on prend Onana, on met au banc de touche. Vous connaissez le football? Le football d'aujourd'hui, vous connaissez le football d'aujourd'hui? Mais on parle de quoi? Vous connaissez le football d'aujourd'hui? Depuis quand, avec Onana, tu joues avec trois avant-centres. Trois avant-centres. Onana joue le rôle de gardien libéraux. Montrez-moi un gardien au monde qui joue le rôle de gardien libéraux. Onana, c'est le seul gardien au monde. Tant qu'il est au goal, on utilise trois avant-centres. Voilà le Barça qui meurt derrière lui. Le Barça vient de négocier avec Manchester pour un contrat de 90 millions. Le grand Barça négocie avec Manchester pour 90 millions. Parce qu'il veut Onana à tout prix. Vous prenez, vous allez prendre un gardien qui n'a pas joué. Un gardien qui était au chômage pendant longtemps. Vous voulez le mettre titulaire. Vous voulez gagner. Parce que Eto'o ne s'entend pas vous, Onana. On profite tous les petits coups bas. On paye les journalistes. On appelle les journalistes pour saboter Onana. On appelle les journalistes pour dire, oh, allez, pardon, saboter Onana. On sabote Onana partout. Tous les journalistes. C'est bizarre que les journalistes qui sabotent Onana là ne sabotent jamais son. Ne sabotent jamais Eto'o. Mais posez-vous une question que pourquoi les journalistes qui sabotent Onana ne sabotent jamais son. Où Eto'o? C'est bizarre. C'est bizarre. Quand on en a fait une erreur, qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent Songo Onana, ils bombardent. Pourquoi les journalistes du Cameroun insultent Songo Onana tous les jours? Pourquoi les journalistes du Cameroun n'insultent pas Eto'o? C'est bizarre. Ça veut tout dire. Les journalistes n'insultent pas Eto'o parce qu'il y a le basmati qui passe. Il y a le basmati qui passe partout. Alexandre Songo dit, eux, ils n'avaient pas l'argent pour donner le basmati aux journalistes. Je vous ai dit, depuis qu'Eto'o est président de la FECAFOOT, est-ce que vous avez entendu un journaliste parler encore mal de lui?
Non, parce qu'on arrose les journalistes. On arrose. Regardez comment l'acharnement que les journalistes ont envers Onana. Tu veux gagner un match. Tu prends Ondoa, tu poses sur le terrain. Vous voulez que vous sortez les statistiques d'Ondoa? Vous voulez que vous sortez les statistiques d'Ondoa? Ondoa fait 2 ans de chômage sans jouer. C'est hier là qu'on doit trouver un club en 3e division en même. On prend un gardien. Le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Valeur estimée 90 millions d'euros. On est en train de discuter le gardien là. C'est-à-dire que le Barça est en train de discuter le gardien. Le Barça. Vous prenez le gars, vous mettez au banc de touche. Vous voulez gagner un match. Vous voulez gagner un match. Vous prenez le cas, vous mettez au banc de touche. Tu gagnes quel match? Quand tu prends Ondoa, tu poses dans un terrain de foot. Tu prends Onana, tu mets au banc de touche, tu veux gagner. Tu veux gagner. Jouer avec Onana, c'est comme jouer avec 12 joueurs. Si vous ne connaissez pas. Jouer avec Onana, c'est comme si tu joues avec 12 joueurs. Le football, c'est les statistiques. L'avantage au basket. Parce que moi, j'étais basketteur, je n'ai pas été footballeur. Mais je connais l'autre. L'avantage du basket, c'est quoi? Pendant que tu joues, tu as tes stats que tu as en haut. Pendant que tu joues, il y a le nombre de kilomètres en haut. Pendant que tu joues, tu vois toutes tes statistiques devant toi. C'est-à-dire qu'au basket, quand tu entres sur le terrain, le coach te dit que voilà tes statistiques ici-là. Courir, tac, 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 tac. Quand tu prends un gars comme Onana, tu dégages le libéro. Tu joues avec un troisième avant-centre. Personne derrière. On retrouve à la Coupe du Monde. Onana est devant Nkoulou est derrière. Tu demandes que Nkoulou cherche quoi derrière. On a le ballon. Tu ne peux pas avoir le ballon et défendre encore. Quand tu as le ballon, ce sont les gens qui défendent. Le meilleur joueur de pied au monde. C'est-à-dire que Onana est bon dans les pieds. Puisque certains défenseurs de l'équipe nationale. Onana est bon dans les pieds puisque certains défenseurs de l'équipe nationale. Mais on prend Onana, on met au banc de touche parce qu'il ne s'entend pas avec son, avec Eto. On le met au banc. Il est là seulement, il rit. Les gars appellent. C'est-à-dire qu'allez regarder, c'est parce que vous êtes focalisé à la télévision camerounaise. Sortez la télévision camerounaise. Allez regarder Beansport. Allez regarder Canal Sport. Allez regarder Sport World. Écoutez comment on parle d'Onana. Écoutez comment on parle d'Onana. C'est-à-dire que des journalistes qui connaissent le football pose une question. Comment se fait-il que le coach de l'équipe nationale du Cameroun, un ancien ramasseur de balles ici à Paris, devenu coach de l'équipe nationale du Cameroun avec la complicité de Samuel Eto'o, ne sait pas utiliser Onana? À un moment donné, c'est pas moi. Faites des choses. Faites des choses pour que nous puissions vous aimer. Mais quand on a un gars aussi hypocrite, d'une jalousie, d'une aigreur comme Samuel Eto'o, un gars égoïste comme tout. Le symbole de l'égoïsme même, c'est Samuel Eto'o. Vous voulez qu'on aille où? Vous voulez qu'on aille où? Parlons peu, parlons bien. Vous voulez qu'on aille où? La malchance, la malédiction de l'équipe nationale du Cameroun. Vous voulez qu'on aille où? Je vous pose cette question-là. Après, on va venir nous parler qu'on jalouse Eto'o. Parce qu'aujourd'hui, parler de Samuel Eto'o veut dire qu'on le jalouse. On le jalouse qu'il a quoi? Il a quoi? Mes amis, c'est Amoukou Belinga. Et toi, l'argent plus qu'Amoukou Belinga. Et toi, l'argent plus qu'Amoukou Belinga. Parlons peu, parlons bien. Quand on me dit Kamer, tu jalouses Eto'o. Moi, je vais jalouser Eto'o. Quand j'ai les amis comme Amoukou Belinga. Moi, je vais jalouser Eto'o. Vous êtes malade dans vos têtes là. C'est vous qui courez derrière les mythes. J'ai des amis milliardaires, certains, je ne cite même pas leur nom, de peur de les afficher. Parce que chaque fois qu'on critique Samuel Eto'o, vous entendez seulement que oh, les gens sont jaloux. Oh, les gens sont jaloux. C'est bizarre. Alors, dans cette canne, aucun journaliste n'a critiqué Samuel Eto'o. Aucun. Aucun journaliste n'a critiqué Samuel Eto'o. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Pour voir la critique sur l'équipe nationale, qu'est-ce qu'on fait? Les gens viennent sur mon mur pour voir. Que... Alors, écoutez ce qu'a Mère Kamer dit. Allons écouter ce qu'Amer Kamer dit. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé la dernière fois? Vous savez ce qui s'est passé? Voilà. J'ai des amis qui ont la chambre. Voilà ma Guilaine Chapuquet là. Ma Guigui.
Les gens se plaignent que, oh, Amen, 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 vous faites l'argent. Je cherche l'argent derrière Samuel, tout quand les Guilaines sont là. Vous êtes malade. Je cherche l'argent derrière Samuel Eto'o. Guilaine est la moitié de l'argent derrière Samuel Eto'o. Une femme qui mange avec la première dame. Elle mange avec la première dame du Cameroun. Je cherche les quoi derrière Samuel Eto'o. Je cherche quoi derrière Samuel Eto'o. Quand les Guilaines mangent avec la première dame, je cherche quoi avec Samuel Eto'o. Bon, Amen, Amen, tu jalouses Samuel Eto'o. Je jalouse Samuel Eto'o. Guigui là. Ma soeur, soeur, mange avec la première dame du Cameroun. Moi, il va aller jalouser Samuel Eto'o. Ça ne va pas. Mais pour réfléchir, il faut voir un peu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu critiques Samuel Eto'o, on dit que tu es jaloux. On dit que tu es jaloux. Mon frère, je suis jaloux. Revendiquer ce que mon pays. Revendiquer ce que mon pays doit réclamer. Ça veut dire une canne. Une vraie canne. Voilà, à Birbé là-bas. Il est là au terrain, il fait comme si vraiment. Eh, hey, Seigneur, ouais. Eh, à cause de Samuel Eto'o. À cause de Samuel Eto'o, un Camerounais va jouer, va gagner la Gambie. Il est content. À cause de Samuel Eto'o, un Camerounais va gagner la Gambie, il est content. Ce n'est pas de ta faute. Ça est l'armée, l'armée absolue. Samuel Eto'o, Rigobert Song n'est pas le coach de l'équipe nationale. Je dis et je vous répète ça. Rigobert Song n'est pas le coach de l'équipe nationale du Cameroun. Rigobert Song est un team manager. Le coach de l'équipe nationale du Cameroun, c'est un blanc, c'est officiel. Allez lire. J'étais comme vous avant. Je pensais que c'était son banac. Quand je me suis rendu compte que ce n'est pas Sombana, le coach de l'équipe nationale du Cameroun, j'étais étonné. On m'a dit non, Amen, le coach de l'équipe nationale, ce n'est pas Sombana. Et ce sont les joueurs de foot qui me disent ça. Je m'avais cherché le profil du gars, le CV de mine, un ancien ramasseur de balles, qui était allé coach, je ne sais pas dans quel pays en Afrique, c'est là aussi on l'a récupéré. Deux matchs, zéro tir cadré. On va parler. On prend Vincent Boubacar. On le passe sur le terrain. Parce qu'il a marqué un but en Coupe du Monde. Il est resté dans le. On est resté dans ça. C'est ça le problème de l'Africain. Quand vous ne côtoyez pas l'excellence. Ah, aujourd'hui, j'ai raison. Maintenant, vous dites quand même, tu as raison aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai raison aujourd'hui. Oui, j'ai raison aujourd'hui parce que vous m'avez tiré dessus pendant longtemps. Vous m'avez tiré dessus pendant longtemps. Quand je critique Samuel Eto'o, oh, je cherche l'argent. Quand il dit Samuel Eto'o président, oh, machin truc. Voilà aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie à Samuel Eto'o? Qu'est-ce que j'ai envie à Samuel Eto'o? Dites-moi un peu. J'ai pas besoin de son argent. J'ai pas besoin de son argent. Sa popularité, j'en ai rien à foutre. C'est ma patrie d'abord. C'est mon Cameroun d'abord. C'est d'abord les miens. C'est mon équipe nationale. C'est pas l'équipe nationale de Samuel Eto'o. J'ai les mêmes droits dans cette équipe nationale comme Samuel Eto'o. Comme tous les 30 millions de Camerounais. Je veux les jalouser dans quoi? Parce qu'il a beaucoup d'argent. Pose-moi une question. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Dis-moi un peu. Moi, quand je croise un joueur à l'aéroport, et j'ai croisé son banan à l'aéroport. Vous avez vu la photo que son banan a fait? Quand j'ai croisé son banan à l'aéroport, il m'a dit Amen, Amen. Ça dit que j'étais de dos. Son banan a dit Amen, Amen. Je me suis tourné. Il dit Boum, ta bouche a peut tuer. Il dit non, je fais mon travail. Dans les yeux. Je fais mon travail. C'est son banan qui m'a dit Amen, Amen. Viens, on fait la photo. C'est son banan qui m'a dit Amen, Amen. Viens, on fait la photo. Il m'a donné son numéro de téléphone. On a fait la photo. Il m'a envoyé ça par WhatsApp. Vous pensez que je suis n'importe qui? Je suis le blogueur qui a l'un des carnets d'adresses les plus insolents du blog camerounais. Je dis l'un des carnets d'adresses les plus insolents du blog camerounais. Ce n'est pas on a dit. C'est la vérité. Pour ne pas dire le blogueur qui a le carnet d'adresses le plus insolent. Je ne suis pas Steve Fah, je ne suis pas une tapette. Je ne suis pas Steve Fah, je ne suis pas un suceur. Si vous voulez les blogueurs qui vont sucer, allez voir les Steve Fah. Allez les voir. C'est eux que le système, c'est eux que le système subventionne pour abrutir la jeunesse camerounaise. Il a dit quoi depuis que la CAN a commencé? Toi qui écris Steve Fah là. Toi qui écris Steve Fah, le gros cul de ta mère. Steve Fah fait quoi? À part attaquer son banac. Maintenant qu'on a subventionné l'argent, il a eu son argent que l'État a donné. Il peut se permettre de crier partout. Vous connaissez l'argent que Steve Fah a eu? Pour aller baisser son fonds devant les Samuel Eto'o. Il fait semblant de clasher Samuel Eto'o. Il fait semblant. Il faut dégager avec ça ici. Hein. Je suis Amen Kamel, le fils de la nation. Le fils de la nation. C'est même quoi ça? Quelqu'un paie son argent. Eto'o a venu gâter tout. A venu nous parler. Vous allez nous parler de quoi? Vous allez nous parler de quoi?
Ngouamer et tout, c'est ton frère Bassa. Je suis désolé, mon frère camerounais. Mon frère Bamoun, mon frère Bassa, mon frère Diti. Mon frère, c'est tous les Camerounais. Quand on parle du Cameroun, enlevez-moi cette histoire de tribu. Quand on parle du Cameroun, enlevez-moi cette histoire de tribu. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Camerounais. Si vous êtes fan de tout, c'est votre problème. Et j'ai dit ceci, et je répète ceci à tous les Camerounais, à tous les maudits Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire là. Enlevez le Cameroun dans vos affaires. Enlevez le Cameroun dans vos affaires d'attachement. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des pays frères. Ce sont des pays voisins, éloignés. J'insiste sur le mot voisin éloigné. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire ne sont pas des pays frères. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On est des pays voisins éloignés. Un pays frère, c'est la Guinée, c'est la Centrafrique, le Gabon, le Congo, le Tchad, le Nigeria. Ça, ce sont des pays frères. Mais que les Ivoiriens, que les Ivoiriens là, votre relation de familiarité que vous cherchez là, gardez ça chez vous. On n'est pas ensemble. On ne se ressemble pas. Arrêtez tout le temps de dire qu'on est des pays frères. L'Ivoirien n'est pas mon frère. C'est mon voisin éloigné. Parce qu'on traverse le Nigeria pour aller dans leur zone là-bas. De faux, les relations que vous cherchez là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et que c'est honte pour les Camerounais. C'est une honte pour les Camerounais. Que tu prends le drapeau de ton pays. Un Ivoirien insulte ton pays, il te parle d'attachement. Je vous ai dit ça l'autre jour. Apprenez à respecter le Cameroun. Attachement, faites ça quand vous êtes en train de draguer vos goûts. Faites ça quand vous êtes en train de manger vos choses. Enlevez attachement dans les histoires de pays. J'ai perdu Douala Mangabe. J'ai perdu Oumnyobé. J'ai perdu Martin Paul Samba. J'ai perdu Charlatana. J'ai perdu Douala Mangabe. J'ai perdu Moumi. Et les autres, la Côte d'Ivoire n'a rien perdu. Il y a 1 million de mes ancêtres qui sont morts dans les guerres d'indépendance. La Côte d'Ivoire n'a rien perdu. Donc je refuse qu'on prenne le sang de mes ancêtres, on mette ça dans l'attachement. Il y a zéro attachement avec la Côte d'Ivoire. Je dis zéro. Un Ivoirien manque de respect à mon pays, je le tords le cou. Directement, je ne suis pas dans votre connerie là. Je ne suis pas dans votre connerie là. L'Ivoirien n'est pas mon frère. Il n'a pas perdu Oumnyobé. Il n'a pas perdu Douala Mangabe. Ils ont reçu l'indépendance dans une enveloppe timbrée avec le papier cadeau dessus. Nous, on n'a pas reçu ça comme ça. Nous, le sang a coulé. Apprenez à connaître l'histoire de votre pays. Apprenez à connaître l'histoire de votre pays. C'est important. Les Bamoun ont perdu les gens. Les Bamlékans ont perdu les gens. Tous les tribus au Cameroun ont perdu les gens pendant la guerre d'indépendance. La Côte d'Ivoire a perdu qui? Quand un Ivoirien sort pour te dire qu'on fait attachement, il insulte ton pays et tu rigoles avec lui. Il insulte ton pays et tu rigoles avec lui. Le moja de tous les Ivoiriens, en commençant par le président de la République. Ils sont là tous les jours, nous insultent. Matin, midi, soir, les Ivoiriens sont en train d'insulter les Camerounais. Et vous sortez pour dire qu'on est frère. On est frère dans quoi? On est frère dans quoi avec ces maudits-là? Moi, je ne suis pas frère avec eux. Je ne suis pas frère avec eux. L'Ivoirien n'est pas mon frère. C'est mon voisin éloigné. On garde nos relations par rapport à un respect. Par rapport à un respect qui est là. L'Ivoirien n'est pas mon frère. Mon frère, c'est le Centrafricain. Le Tchadien. Le Guinéen. Le Équato-Guinéen. Le Gabonais. Le Centrafricain, le Nigérien. C'est ça mes frères. Des maudits Camerounais. Il y a un match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Vous supportez la Côte d'Ivoire. Le gros cul de vos mains, imbécile. C'est incroyable ça. Un match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Des maudits Camerounais supportent la Côte d'Ivoire. Vous êtes fous dans vos têtes. Vous savez ce que vous faites. Pendant les indépendants, les Camerounais partaient se cacher en Guinée équatoriale. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Bande de sorciers. Ngo, le Cameroun a coupé la soeur. C'est toi qui as épousé votre soeur.
Et on attend vivement qu'il divorce. On attend vivement qu'il divorce. Ah oui. Non, on est pour le divorce. Moi, ce qui me concerne, je suis pour le divorce là. Il y a beaucoup de filles camerounaises, beaucoup de femmes camerounaises qu'on peut épouser. Il n'a qu'à divorcer, la fille a rentré chez elle. Vous parlez même de quoi? Il n'y a pas de femmes au Cameroun. Merci, Ténor, comme tu as barré les unions là. Merci. Tu as bien fait de barrer cette fille. Parce que sortir avec une voilaine, ça ne t'amène nulle part. Vous avez déjà vu un Camerounais sortir avec une voilaine qui a évolué. Vous avez déjà vu une Camerounaise, une Ivoirienne sortir avec un Camerounais, le Camerounais a évolué. Donnez-moi ce un seul exemple. Un seul exemple. Mbia a épousé une Ivoirienne, sa carrière a chuté. Voilà, Eto'o qui a épousé une Ivoirienne. Depuis là, les problèmes tous les jours. La Côte d'Ivoire, c'est la malchance du Cameroun. La malchance. Qu'on va parler, les salopards vont sortir des trous pour venir éduquer les autres. Vous êtes fous. Eto'o doit divorcer avec Nathalie, avec Georgette. C'est pas possible. Nathalie Nkwa était la femme parfaite pour Samuel Eto'o. La femme parfaite pour Samuel Eto'o, c'était Nathalie Nkwa. N'importe quoi. Les gens viennent parler. Vous avez déjà vu une Ivoirienne épouser un Camerounais, le Camerounais a réussi dans la vie. Vous avez déjà vu une femme, une Ivoirienne épouser un Camerounais et que le Camerounais a évolué. Il n'évolue jamais. Tu épouses une Ivoirienne, tu chutes. Tu épouses une Ivoirienne, ta vie va partir. C'est-à-dire que ta vie, c'est le fiasco total. C'est incroyable ça. Les gens ont venu se positionner là. Vous pouvez vous imaginer. Si un Camerounais veut réussir dans la vie, tu épouses une Camerounaise. Tu épouses une Camerounaise. C'est pas possible. On est là, nos beaux. C'est le lien de familiarité que vous cherchez. Qu'est-ce que vous avez vu derrière nous? Laissez, tu vois, l'Afrique de l'Ouest là-bas. Nous, on n'a pas besoin de vous. Je préfère épouser une Malienne que d'épouser une Ivoirienne. La plupart des bordels qu'on le porte, tu portes à Dubaï, ce n'est pas les Ivoiriennes. Ce n'est pas les Ivoiriennes. La plupart des gens qu'on arrête avec la drogue ici en France, ce n'est pas les Ivoiriennes. Dans la rue de Boza là-bas, ce ne sont pas les Ivoiriennes. Mais nous a merdé ici là. N'importe quoi. Il faut faire attention. Hein. Bon, les personnes qui sont connectées, les 1300 personnes qui sont connectées sur Facebook, bon, je vais couper sur Facebook, je vais transiter complètement sur TikTok. Comme ça, après, on va continuer sur TikTok. Pour ceux qui sont sur Facebook, le TikTok, c'est Amer Kamer 237. Merci la famille.